L'oasis des mots, l'unité 2, la vie associative, la semaine 1, les exercices écrits, la page 46. Premièrement, je complète les mots avec I ou Y. Donc, sur I, ça s'écrit avec I. Avec I. Donc, on va écrire I. Stylo, ça s'écrit avec Y. Y. Syllabe. Avec Y. Avec Y. Domino. I. Pyjama. Y. Y. Le deuxième exercice, je complète par les mots avec E, accent aigu, ou bien avec ET, café. Avec E accent. Avec E accent aigu. Bonnet. Avec ET. Avec ET. Étoile. Avec accent. E accent aigu. Jouer. Avec ET. Avec ET. Donc on passe vers l'exercice 3. Je choisis le mot et je l'écris sous son dessin. Il donne un nana des dessins. On va choisir les mots qui conviennent. Donc ça c'est quoi? Ça c'est pyjama. Pyjama. Donc. Pyjama. Ça, c'est un bouquet. Bouquet. Nez. Nez. Vélo. Vélo. Boulanger. 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 Donc, on passe vers l'exercice 4. 4 et 5. Donc, quatrièmement, je place les mots de la liste dans le tableau. Donc, nous avons un tableau qui se compose de deux colonnes, ER, EZ. Les mots qui se terminent avec ER ici et qui se terminent avec Z ici. Donc, planter, ça se termine avec ER. ER, donc planter. Le nez avec EZ. Avec EZ. Boucher avec OR. Écoutez avec EZ. Avec EZ. Le cinquième exercice, je choisis la phrase qui convient à l'image et je la recopie. Donc nous avons ici une petite image. Donc la phrase qui convient, est-ce que le boulanger met le pain au four ou bien le boucher prépare des poulets? Le boulanger met le pain au four. Exactement, donc le boulanger met le pain donc le pain au four. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les exercices écrits de l'unité didactique numéro 2, la semaine 1.